Vous savez que la melouchia, c'est mon plat préféré. Je vous ai déjà fait la recette, je vous la refais ici. Donc, dans une marmite, vous faites chauffer 2 verres d'huile d'olive. Vous ajoutez l'équivalent de 2 verres de poudre à melouchia. Vous laissez cuire pendant 10 minutes, puis vous ajoutez 2 litres d'eau. On va baisser le feu à 3 ou 4 et laisser cuire pendant 3h30. Là, on s'attaque à la viande. Vous mettez des épices, je les mettrai en commentaire. De l'ail, du concentré de tomate, vous mélangez bien avec des gants votre viande. Puis, au bout de 3h34, vous allez l'ajouter dans votre préparation à melouchia. Vous ajoutez du laurier et vous allez réduire aussi le feu et laisser bien cuire pendant 3h30 à 4h encore jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Ensuite, vous allez retirer l'huile à la surface. Il n'y a plus qu'à servir, ça se mange avec du pain, c'est délicieux. Je sais qu'il y a plusieurs manières de la faire. Moi, je la fais comme ça depuis des années et elle est vraiment, vraiment bonne. Je vous conseille d'essayer.